Bonjour les amis, aujourd'hui je vais faire des cakes aux pommes. Pour ça, vous aurez besoin de 175 g de sucre fin, 150 g de farine blanche, 150 g de beurre fondu, 3 œufs entiers, une cuillère à café de levure chimique. Ici, j'ai 3 petites pommes. Si c'est des grosses pommes, vous en mettez que 2. Et un peu de cassonade, ça c'est pour le saupoudrer à la fin. Je vais d'abord commencer à éplucher mes pommes, voilà, j'épluche mes 3 pommes. Je vais commencer à éplucher mes 3 pommes d'abord. Je coupe mes pommes en petites lamelles comme ça. Voilà, j'ai coupé mes pommes en petites lamelles, je mets de côté. Je commence à mettre tout ce qui est liquide, des œufs, le beurre. Je mélange le tout. Je vais blanchir un petit peu avec le sucre. Hein. Attendez, je vais d'abord mélanger et puis je vais blanchir. Je mets le sucre. Maintenant, je peux le blanchir. Je rajoute mon sachet de vanille. Avec le vanille, ça sent toujours bon. Je mélange le tout. Je prends ma farine, je mets ma levure chimique. Je mélange un petit peu et je mets la première fois, je le mélange bien. Mettez ça en 2 fois bien mélangé. Je remets les restes. Je prends ma moule à cake. Mettez du papier de sécurité comme ça. Ça va être facile pour la déballer. Je mets d'abord un petit peu au fond. Je l'étale bien. Je mets mes pommes. Vous mettez la première couche. Mettez bien quand il y a de la place. Et vous mettez la deuxième couche. Bien l'étaler. Et maintenant, je mets les restes des pommes. Voilà, j'ai mis toutes mes pommes. Je vais
l'aplatir encore un petit peu pour bien que ce soit bien un petit peu au fond. Voilà. Et voilà. Maintenant, je vais rajouter du sucre, un petit peu de saupoudrer, un petit peu de sucre cassonade pour faire un petit peu de croustillant. Juste un petit peu, voilà, un petit peu dans les bords aussi. Voilà. Et vous mettez vos fours à 180 degrés pendant 40 à 45 minutes à surveiller. Comme d'habitude, ça dépend des fours. Voilà les amis, je l'ai sorti du four. Je l'ai fait à 180 degrés pendant 45 minutes. Maintenant, je vais la démouler et laisser refroidir. Pour savoir si votre cake il est cuit, vous piquez ici, vous la sortez. Quand vous voyez que c'est sec, qu'il n'y a rien du tout, c'est qu'il est cuit. Regardez comment elle est belle. Maintenant, je vais mettre sur quelque chose pour bien refroidir. Voilà, je l'ai mis dessus comme ça, la chaleur il sort par là, de tous les côtés. Comme ça, ça va refroidir plus vite. Voilà les amis, c'est refroidi. Je vais faire un petit peu de décoration. Je vais ajouter un peu de sucre glace. Elle est trop belle. Voilà, comme ça je fais un petit peu de déco. Voilà. Voilà, je vais la couper en deux. Il est un petit peu froid maintenant. Je vais la couper en deux pour voir l'intérieur. Comment c'est. Oh là 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 là. Vous voyez comment elle est belle. Vous voyez. Allez, elle est bien moelleuse, hein. Regardez, elle est bien moelleuse. Hein. Je ne vais pas couper encore plus parce qu'elle n'est pas encore bien froide. Voilà les amis, si vous aimez ma vidéo, abonnez-vous, likez-moi un petit commentaire, ça fait plaisir. Merci, à bientôt.